Salut à tous les amis, c'est l'heure du play, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, mais ça pourrait aller mieux parce que je ne sais pas ce que me fait Audacity, mais c'est tout simplement aberrant. Le logiciel a pété un câble, je ne sais pas ce qui lui arrive. Avec Action, il ne veut pas marcher. Il m'a fait exactement la même chose qui s'est produite dimanche dernier en tournant Prison Architect, d'ailleurs que je sors tout de suite juste après avoir tourné cet épisode. Ou dans lequel j'ai donc commenté pas en direct, juste après avoir tourné, puisque Audacity avait complètement buggé. Et en fait c'est à cause d'Action. Alors je ne sais pas pourquoi du jour au lendemain Audacity pète un câble avec Action. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réinstaller Audacity et on verra ce que ça donne, parce que là ça m'a juste saoulé. Ça fait genre 30 minutes que je suis dessus, ça me saoule. Bref, donc bienvenue pour un nouvel épisode sur Le Seigneur des Anneaux War in the North, le third épisode. Alors aujourd'hui on va tester l'elfe Andriel, comme ça on aura fait le tour à peu près des trois personnages, et ensuite au quatrième épisode je jouerai avec la personne qui s'est proposée de m'accompagner pour cette aventure. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me demander ça par message privé ou où vous voulez, sur les réseaux sociaux, enfin comme vous voulez, d'une manière ou d'une autre, et je serai ravi de vous accueillir pour cette aventure en multijoueur, en coop. Voilà, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on va se lancer directement. Vous voyez, le seul problème, c'est que je comptais tourner en 30 fps, puisque apparemment le 60 fps remis en 30 sur YouTube, ça donne une qualité juste. Suivez-nous. Donc voilà, mon projet c'était de tourner en 30 fps. Donc là, je tourne avec le Shadowplay, figurez-vous, mais bon. Le Shadowplay ne record qu'en 60 fps. Donc je l'ai un peu dans le cul. C'est pas grave. J'ai essayé. Oula putain, j'ai failli me prendre une espèce de flèche là. Wow. On se calme les mecs. Alors ce serait avec plaisir, mais bon. Ramasser quoi? Je peux ramasser quelque chose. C'est quoi ramasser? D'accord, ok, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire un peu de combat. Alors l'elfe, alors sa spécificité, donc c'est un support soigneur, healer, comme vous voulez. Elle se bat à l'aide de son petit bâton de bois là, vous voyez, qui permet de faire la magie. Elle permet de soigner ses potes, de faire apparaître des boucliers magiques complètement. Oh le finish! Oh le bâton dans les couilles, ça doit faire mal. Et donc son bâton lui permet de faire ce qu'elle veut. Et je vois qu'il y a des champignons qui brillent. Ça, c'est pour nous, ça. Et décidément, on n'est jamais... Ah, on n'est jamais tranquille. Attends, je veux ramasser mes champignons. Alors, apparemment, ça lui sera utile pour faire des popos, sûrement, ou des poisons très dangereux. En tout cas, ça m'étonne qu'elle arrive à être décapitée avec ce putain de bâton. Tac. Oh yeah! Bon alors, typiquement, c'est pareil. Vous cherchez par là et vous prendrez un autre chemin. Nous nous retrouverons à la citadelle si nous ne nous croisons pas avant. D'accord. Alors ça, ce sont les deux jumeaux elfes qu'on a rencontrés juste avant et qu'on était censé aller retrouver. Mais et justement, qu'on a retrouvé juste après avoir défoncé la tronche d'un troll. Deux secondes, je vais juste récupérer les petits pieds-pièces. Oh yeah, ça c'est à la classe. Oh mais attendez, il y a des potes là. Voilà. Oh yeah, ça c'est la classe. 875 de dégâts et on les one shot pas, qu'est-ce que tu veux toi? Ça paraît un peu abusé ça, non? Regarde ça, le truc c'est une mitrailleuse. On a Bagdad là, qu'est-ce que tu veux toi? Restez où vous êtes. Cette vidéo va me permettre de vous parler de The Hobbit, que je suis allé voir au cinéma samedi soir pour être exact. Alors je l'ai trouvé franchement très 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 sympa. Alors si vous aussi si vous l'avez vu, n'hésitez pas à dire aussi vos impressions, vos critiques aussi. Bon bien sûr le film n'est pas non plus extraordinaire hein, mais bon il est vraiment très sympa. Moi j'ai toujours été fan un peu des Seigneurs des Anneaux, enfin tout ce qui était dans cet univers. Et franchement je sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais je trouve que ça fait très
très Disney-narisé. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais ça fait très Disney. Vous voyez, ça fait vraiment très... Waouh. Ça fait très pour... Pour jeunes enfants, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je sais pas si je suis très clair en même temps, j'arrive pas trop à m'exprimer, là. Vous voyez, ça me rappelle les Disney où quand j'étais petit, c'est bizarre, je le trouve moins... Voilà, plus pour les jeunes que le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'était plus sombre, un peu plus mature, je sais pas, j'ai envie de dire. Un peu plus violent, je sais pas, c'est pour un autre public. Mais c'est quand même très très bien, il y a toujours sa petite dose d'humour, comme il faut, des répliques à la con. Et c'est une des premières fois où on voit aussi Legolas un petit peu méchant, quoi. Enfin, il est pas super il est pas super sympa avec les autres, hein, finalement, avec les nains. Par contre, il voue une allégeance surdimensionnée à son père, qui est le roi du royaume Sylvestre. Et j'ai complètement plus de vie, j'avais pas fait gaffe. Qu'est-ce que tu veux? On va faire le pouvoir. Oh, Beleram est déjà en combat. Ah merde. Non, mais c'est pas ça que je voulais. Ah mais. D'accord, ok. Alors je l'ai pas mis de pouvoir. Va falloir que je fasse un tour dans ses stats. Donc je disais, Legolas. Eh ben, j'ai obtenu un succès en plus. Merde. Ah mais. Et décidément, ils arrêteront pas de me faire chier. Prends ça. Oh. Et voilà. Voilà, quand on emmerde une femme, voilà ce qu'on se prend dans sa putain de tronche. Et voilà, c'est parti pour la suite. Et encore des mecs. Putain, mais. Décidément, là, depuis le début du jeu, c'est pas super varié. Hein. Hop, on enchaîne les zones comme ça. La diversité des ennemis n'est pas encore très au point pour l'instant. On se tape toujours les mêmes orques. Ah là, ils ont quand même changé d'armure. Hein. On peut admirer le petit effort là. Allez, le finish, voilà. Alors toi, tu vas crever. Oh, le petit coup critique. 114 XP. J'ai bien aimé. Je vais d'abord aller récupérer tous les loots là-bas qui sont tombés. Laisse-moi passer, toi. Et donc, je reprends sur The Hobbit. Donc le roi du royaume Sylvestre, enfin de la forêt noire, vraiment je trouve ça super classe. Il fait vraiment quelque chose qui va m'être utile. Ah, des champignons. Il fait vraiment classe. Et donc c'est le père de Legolas. Oui, parce que perso, Legolas, je m'étais jamais douté qu'il avait un père. Hein, donc, ça fait bizarre. En fait, quand on, je sais pas, on se demande pas d'où ils viennent, vraiment qui étaient leurs parents. Putain, mais il s'est téléporté le mec. Attendez, on va reculer un tout petit peu. N'y a-t-il pas de porte ici? Non, c'est bon. Et pareil aussi, je ne sais pas si vous avez été effrayé. Bon, non, enfin, je dis ça voilà, en rigolant, bien sûr. Hein, par les araignées. Cette fois, il y avait encore des araignées. Hein, les fidèles araignées. Comme il y avait dans le Seigneur des Anneaux, le troisième avec Arachné. Holy shit! C'est quoi cette merde? Heureusement que mon cher ami, j'allais dire Gimli, était là pour me soigner, parce que sinon je fais dans la merde la plus totale. Mais c'est quoi ces saloperies, putain, mais hey, des kamikazes? Des kamikazes chez les orques, sont sérieux? Non mais c'est complètement cheaté. Alors là, pour le coup, c'est vraiment pété. Hein. Bon, écoutez, ils connaissaient déjà les kamikazes. À cette époque, ici, j'ai déjà tout ramassé. Je vais prendre tous les champignons. Voilà quelque chose qui va m'être utile. Voilà, tous les petits champignons. Ici j'ai pas ramassé, potion de mana, prendre, ah, ça fait plaisir. Et je vais prendre la petite popo de soin parce que je suis un petit peu mal en point. Il y a d'autres porteurs de soin. Oh fuck, je vais laisser le ranger s'en occuper, voilà, parce que lui peut tirer. Ah voilà, c'est parfait, tu fais du bon boulot là, tu me donnes du rêve et je viens de prendre un niveau pendant ce temps là. C'est chaud, wow. C'est chaud, on utilise la roulade pour se casser. Bon. Yes. Ok, je suis juste trop con. J'arrive, je vais taper dans la bombe comme un idiot. Et je me fais one shot. Le problème c'est que, est-ce que je... Ah mais si, je peux tirer Attendez, je... Faut aller où là? Oui, alors mes alliés ont disparu. Non, ils sont là. Ouais, mais alors c'est par où qu'il faut qu'on...
qu'on continue là, parce que je sais pas vous, mais perso, je vois pas vraiment d'endroit là. Non, ici c'est toujours fermé. C'est chelou. C'est vraiment bizarre. On va tenter par là. J'allais dire tester. Mais alors là. Ah bah oui, je suis juste con en fait. Tac. Oh les shit les. Ah. Putain mais hey, je me fais juste violer hein. Dans ce mais épisode là déjà, je me du savoir. Déchirer. Nous bah t'inquiète pas, je suis pas parti hein. Mais je pense que tu vas devoir me réanimer assez souvent. Hop, continuez. La petite cinématique. Oh yeah. Ok. Alors, un mage qui protège, une putain d'arbalète de feu de mes deux. Wow, wow, wow. Alors, on va se calmer. Attends, mais, hey, Oh, mais j'ai une mitrailleuse en fait, moi. Ah, mais merde, je peux pas. Le chaman orc utilise la sorcellerie noire pour protéger d'autres ennemis. Son bouclier repousse tes attaques à distance. D'accord, et tu m'expliques comment je fais pour y aller, moi? Attendez, d'abord, avant ça, hop, on va jeter un petit coup d'œil au menu des compétences. Alors voyez-vous, j'ai gagné un niveau. Elle, on va lui augmenter carrément la volonté hein. Pas de secret, peut-être résistance. On va mettre ça aussi. Mais vraiment, on va EP vraiment à mort la volonté, parce que là, le mana, tac, j'en ai besoin. Pareil pour ma régène de vie. Ok, c'est parfait, confirmé. Oui, sauvegarder, c'est parfait. Alors, voyons voir ses capacités. Appuyez sur 1 pour invoquer un orbe. Un orbe. Je sais pas si c'est masculin, un orbe, mais bon, c'est pas grave. Qui vous protégera des attaques à distance. Ouais. Appuyez sur 2 pour libérer une onde de choc magique multidirectionnelle. Ouh. Maintenez enfoncé pour augmenter la puissance de vos attaques à distance en lançant plusieurs charges à la fois. Ok, bon. Je pense que. Voilà. Hein. Ah, mais on a 5 points, d'accord, ok. On va prendre ça. On va prendre. Ok, on va tout prendre. Débloque et augmente la guérison apportée par le sanctuaire. Ah, ça, je vais augmenter. Ça c'est quoi? En bloquant bien. Non. Les compétences utilisées par les membres de la communauté exigent moins de puissance. C'est ça que je veux utiliser. Voilà, c'est parfait. Confirmé. Bon, je vais assez vite. Hein. Voilà, là on va pouvoir utiliser. Pharin est tombé. Ah merde! J'arrive! Ouah. Oh là là! Non. Reste bien dans le cercle. Et comment je fais moi? En fait, je sais même pas ce que je dois. Bon, en fait, on se fait juste déglinguer. J'arrive pas à parler. Et je vais me faire des fourroyer. Ah. Oh là là, mais elle se fait juste déglinguer. Non, là, il y en a marre. Hein. Là. Voilà, là, y a un moment, on dit stop là. Il est gravement blessé. Eh, mais laisse-moi passer, toi. Putain, le nain, il a rien compris. Allez, 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 enchaîne, enchaîne, enchaîne. Oh oui, 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 oui. Oh oui. Oh oui. J'enchaîne. Ah, j'ai pas pu le finish. Saloperie d'orgue, par exemple, il a pris un blessé. Bah, d'accord, il est mort tout seul. C'est pas grave. Si quelqu'un pouvait venir me soigner, ce serait d'une extrême gentillesse. Ok, alors ils ont compris. Ah merci. Je croyais que les elfes bénéficiaient. Alors j'ai encore oublié son nom. Désolé. Eradan, voilà c'est ça. Eradan. Eradan, mon cher ami Ranger. Je pense qu'il va y avoir une histoire entre eux, c'est obligé. Et ils bloquent le passage avec leur gros cul là. On va d'abord aller s'occuper de. Ah plutôt puissant, je l'ai décapité avec ma magie. Ah, intéressant. On va tester ici. Oh oui, oh le one. Oh le headshot. Oh, superbe. Alors là je me vends du rêve là moi-même là. Je savais pas que j'étais aussi bon à distance, surtout avec une elfe. Oui bah si tu pouvais l'actionner ce putain de levier. Oh putain. D'accord, il y a plein de petits QTE comme ça aussi, même pas forcément en combat. Hein. Nous aussi en avoir pour les portes. Ah oui d'accord, faut descendre. Oh là là, bon ok j'ai compris. J'ai compris, je me mets à la mitrailleuse. Les ennuis arrivent. Nous devons nous serrer les coudes. Oula, j'ai cru qu'il avait dit autre chose, j'ai eu peur là. Ah merde, ça c'est.
Ça c'est problématique. Prenez ça. Oh oui, alors là. Toi tu... Ah putain. Laisse-moi tranquille. On ressent la colère des Zelda. Voilà, comme elle a dit là je... Et j'ai encore un autre succès marteleur d'ennemis. En même temps, vous voyez, quand on fait ce que je fais, voilà quoi, à un moment... Venez vous soigner là-dedans. Voilà, la belle onde de choc qui fait tout péter. Non mais... Non. Oh bah ok. Ah, il est énervé, notre petit nain. Et j'ai encore gagné une améthyste brute que je vais pouvoir aller revendre de ce pas à la boutique pour me faire un max de blé. Ouh, putain, il y a des cadavres qui volent. Eh mais oh, je crois qu'il a pas compris le sens de la vie lui. Bon alors la caméra s'excite un tout petit peu. Attends, lui je vais... Oh y a du vol là. Oh yeah. On peut admirer le ski hein, bien sûr, c'est autorisé hein. Ok, on se casse. Sans oublier de récupérer tous les secrets. Ici ça bug, je sais pas pourquoi. Ouais, il est pas très bien optimisé le jeu, il y a des endroits où... Ouais, vous voyez là, ça bug. Quand je filme, bref, c'est pas grave. Pas très très bien optimisé le jeu. Putain, c'est... La porte s'est fermée derrière nous, nous sommes merde. Piégés. Ah, on a l'air con. Il y a un levier là-haut, mais je ne vois pas comment l'atteindre. Je vois déjà l'autre arriver, tu sais. Ils nous ont retrouvés, les voilà. Ah merde, il y a un mur invisible. Et on fait quoi là? Allez, c'est parti. Encore du combat. Là, on enchaîne, on enchaîne. Oh, là, par contre, ce sont des ennemis très peu qualifiés, enfin, pas très peu qualifiés, mais très mauvais. Ah, ils ont quand même d'autres armes et je gagne de l'XP. Ils ont des griffes sur eux, à la Wolverine. Yeah. Là, on fait du bon travail d'équipe. Voilà, on fait du bon. Bon, c'est un petit peu facile. Les sous-fifres d'Agandor. Les sous-fifres. Oh, les geutres, les marauds. Vilipendons-les. Et d'ailleurs, la ils créature sont... met le feu. Quoi? Il dit quoi, quoi, quoi? Ah, oh, merde, je me gourde de... Oh oui. Oh oui. Oh oui. Et hop là. Ça, c'est du professionnalisme. Restez sur vos gardes, il y en a déjà d'autres. Oh putain. Et j'ai plus de mana. Ouais, par contre ça va être je me... J'ai pris hyper cher. On va prendre une potion de mana aussi. Vite vite vite. On prend les deux, vous voyez ça remonte super super vite. Entrez dans la sphère de lumière, voilà. Et on entre dans la sphère de lumière. Et le pauvre nain il se prend tout. Il se prend tout le pauvre. Ah là là, il a rien compris. Bon, nous on reste là pendant ce temps. On se dort la pilule. Encore? Non. Ils sont trop nombreux pour nous. Non, c'est bon. Wow, wow, wow. Oh, la protection rapprochée. Allez, un petit coup au milieu. Ça fait toujours plaisir. Yeah. Oh, c'est tellement jouissif. La décapitation au bâton. Ah mince, je vis du mauvais côté. Ah, il veut pas mourir. Oh putain, alors celui-là, je sais pas d'où il venait. Ah, je me suis fait violer. Ne quittez pas déjà, maître du savoir. Ah oui, mais dépêche, grouille. Et ma sphère de lumière, elle est... Ah lui, c'est vrai que j'ai laissé l'épée au nain. Il veut pas frapper. Allez, on enchaîne, on enchaîne. C'est vrai que... Ah oui, j'avais les roulades. J'en ai presque oublié les esquives, moi. C'est choquant. Oh là là, ce massacre. Ah, j'aurais peut-être pas dû mettre le joueur difficile parce que ça, les phases de combat durent juste super longtemps. On n'a pas trop accès à des phases d'histoire super intéressantes. Bon, enfin là, je vous vends du rêve, hein, quand même. Hein. Hey, putain. Oh, je suis fait éclairer. Eh, c'est une espèce de créature à la con, elles font vraiment chier. Entrez dans la sphère de lumière. Allez, allez, on résiste. Faudrait que je regarde les statistiques de combien d'orques j'ai tué depuis le début du jeu. Et... Ah, ça va péter. Vite, 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 vite.
Ah non, non, mais c'était pas un ennemi explosif. Voilà, ça tu prends ça déjà. Et il sort d'où? Alors peut-être que je... peut-être que j'ai un objet. Putain, mais hey, ça fait au moins 7 fois que je crève, voire plus. Eh, hey, mais ils sont vraiment. Bah, je prends ça. Voilà, disparaissez de la surface de la terre. Et meurs. C'est bon. Attendez. Ok, c'est bon. Dites pas que c'est bon là. Là-haut, les amis. Ah. Oh putain. Un instant. Nous allons vous ouvrir la porte. Ouais, non, mais magne-toi là. Le mec il fait un instant. Ouais, merci, merci. Merci, Jean-Guy. Putain, il dure longtemps. Dure longtemps cette mission, on va se prendre. Oh les shit, même pas le temps de respirer qu'on se fait déjà défourailler. Ok, alors j'ai compris. Déjà, je vais aller m'occuper de ces jolies petites caisses qui m'appellent et je crois que j'ai. Ouais. Ah, tout juste ce dont des j'avais herbes. Besoin. Des herbes. Elle est sûrement alchimiste. Ouh. Le trick de combat de Forlindon. D'ailleurs. Voilà. Ok, j'ai plein d'objets pour l'artisanat. Ouais, voilà. Avec le petit marteau et l'enclume. On voit qu'on pourra faire de l'artisanat, de l'alchimie pour ceux qui préfèrent. Hein. Comme un peu à la Skyrim. Et j'ai quand même 2000 dans mon compte en banque. Alors, durabilité. Ah, j'ai pété mon armure. Y a pas moyen de. Non, je peux pas la réparer. Alors, ouais. Tac. Je vais prendre ce bâton qui a l'air vraiment beaucoup mieux. Je vais mettre cet anneau qui me donne 10 de santé. J'ai pas de pantalon, pas de chaussures, pas de. Si. J'ai un petit serre-tête, je sais plus comment ils appellent ça. Moi je dis un serre-tête, une couronne. Mais ça, je. Ouais, elle est pétée mon truc. Bon. On va quitter, voilà. Elle est déjà plus jolie, non? Et puis son bâton. Son bâton! Là, sur la tour! Il. Là, sur la tour! Oui, oui, oui. Il fait exploser de la poudre! Frappe-moi l'unisson! Ah oh, oui, 110. Là, je. Dégalage. Ouais, one shot, 9 d'XP, voilà. Voilà comment on fait. Arrête de bugger le nain là, tu. J'ai été excité sur la tour, t'y arriveras pas de toute façon. Hop, voilà. Ok, bon, on peut déjà passer. Ouais. Non, ça me paraît trop simple. Là, il y a un petit problème quand même. Ça me paraît trop simple. Ah, un hôtel. Ah, ben voilà, justement. Alors. Vendre. Ok, alors ça m'a fait un petit peu d'argent. On va en profiter pour acheter à. On va acheter un torse. On va prendre ça. Quitter. Alors voyons voir. Merde, c'est pas ce que je viens d'acheter. Non, c'est bon, j'ai acheté un truc un peu. Voilà, nickel. Bon, j'ai amélioré. Des champignons. Alors, le truc, c'est qu'il faut en prendre le maximum. Ils ont de la poudre explosive sur la tour. Oui. Oui, 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 effectivement. D'accord, mais alors comment tu fais pour monter? Ok. D'accord, mais alors à partir de là, tu fais comment? Alors ça, c'est d'être point d'intérêt. Ah oui, d'accord. Oui, alors en fait, je suis juste un peu con. Un peu comme d'habitude en fait. Ah mais non, me dis pas que c'est un morceau de bois qui va me faire chier. Voilà. Quand on s'y prend bien, ça marche tout le temps. Et là, le passage est débloqué. On peut se tirer de ce trou. Enfin, on peut juste monter au mur. Ah, avec un coffre évidemment. Ça, c'est pas marrant. Avec un autre coffre dedans. Et avec du fric qui protège épaule de tireur à l'arc. On va voir ce que ça donne. Non, c'est pas pour moi évidemment. Il y a un levier ici. Ça, je vais pouvoir le revendre plus tard. Ah oui, il y a un levier. Tac, 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 tac. On se bat peu. Voilà, c'est parfait. J'ai ouvert la porte. Une putain de baisse de framerate puisque le jeu est complètement mal optimisé. J'ai gagné une hache pour notre ami le nain. C'est moi qui découvre plein de trucs. Hop. D'ailleurs, en fait, je viens d'y penser. Tout ce qui est collecte de champignons, d'herbes, de substances illicites un petit peu chelou, ça doit être le talent de l'elfe justement, parce que je me demandais, oui elle a pas de talent, comme le nain ou comme le ranger, qui eux peuvent par exemple suivre des traces ou alors détruire des murs, vous voyez, un peu dans le style. Mais là en fait à mon avis c'est son pouvoir de collecte, si je dis pas de conneries. Et ça bug vraiment ici, je comprends pas, hein, c'est...
L'optimisation est vraiment pourrie à cet endroit-là. Tourner leur propre arme contre eux. C'est un peu dommage. Ok. On peut leur retourner leur propre arme contre eux, mais c'est ce qu'on va faire. Hein. Allez, c'est encore. Ok. Oh, des pigeons. En fait, faut viser les pigeons. Les pigeons. Je suis sûr que c'est un succès. J'aurais dû essayer. J'aurais dû vraiment essayer. Je suis con. J'aurais dû tirer sur les piafs. Bon, alors là, il n'y a pas de secret. C'est dommage, j'aurais voulu vous montrer plus de scénarios, mais bon. Ok. Il y en a d'autres. Attention. Ça va venir de l'autre côté. Hop là. Ah, je déteste quand mes parents rentrent dans ma chambre. Désolé pour ce petit moment de silence. Oh, 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 oh. Là, ça devient plus chaud. Les pauvres. Oh putain, je me fais attaquer par l'air. Allez, reculez. Voilà. Et maintenant, on peut envoyer la sauce. Voilà. Oh, décidément. Bon, attendez, je vais un petit peu. Voilà, parce que toi t'allais me faire chier. Sinon, retourne chez toi. Tu n'es pas accepté ici. Ah, il meurt pas en plus hein. Allez. Eh hey, mais meurs. Meurs. Oh là là, le mec il veut pas trop. C'est où? Oh mais t'inquiète, c'est pas grave. Déjà on nique les archers alors. Ça c'est la base. Et lui. Devant moi, monstre. Voilà. Toi recule. Oh là là, c'est tellement beau. Mais eux ils ont pas compris qui était le patron en fait, j'ai l'impression. Je sais pas si on peut changer la difficulté du jeu en cours de partie, mais en tout cas je pense que je la baisserai parce que les phases de combat sont beaucoup trop longues et on n'a pas assez d'histoire. Allez, crève. C'est vrai qu'il faut que j'essaie de meubler un peu plus, je dirais, en vous racontant des choses. Oh là là, c'était ça, c'était complètement stylé. Oh oui. Et encore des archers. Allez, rentrez. Oh là là. Et je vais crever. Attendez. Hop là, voilà la petite. La petite sphère de lumière. Et voilà, ça c'est fait. Oh, oh mais c'est pas sérieux. Là on a pas fini hein. On a vraiment pas fini. Ah et laisse-moi. Allez mais oh. Voilà. Le mec je vais péter les 4. Alors lui je vais lui venir. Va-t'en. Voilà. Et je m'excuse déjà de la qualité de la vidéo parce que faut que je règle ce problème avec Audacity. Mais oh les mecs ils sont à deux maintenant là-haut. Allez. Putain j'ai taché ma robe. Ah. Bon allez c'est bon. Ils me font chier, j'y vais au corps à corps. Toi déjà t'es foutu. Eh hey, oh. S'il vous plaît, un peu de tenue. Wow 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 wow. Ok, je me suis fait déchiqueter. Aidez-moi. Alors. Je rentre. Oh merci. C'est trop gentil. Bon toi t'as pas compris l'histoire de... Voilà. Fallait juste m'expliquer correctement. Lui il a disparu de la surface de la planète. Voilà la petite décapitation bien méritée et le finish. Et très utile. 174 d'XP, non mais si c'est pas magnifique. Et j'ai chopé encore un niveau. Mais que demande le peuple? Nous allons ouvrir cette... Et en... Mais en fait eux c'est... En fait eux ils sont là, ils se touchent la nouille en fait depuis tout à l'heure. Ils ouvrent juste les portes, je sais pas par où ils passent, mais ils y arrivent. Me dis pas qu'on va encore se faire couiller là.
Non, c'est bon. Alors, ce serait bien qu'on arrive à un... Voilà, on va arriver à un boss. Alors, lui... Eh, merde. Arrière ! Allez. Youhou ! Encore une phase de combat. En plus, là, vraiment... Normalement, c'est censé être le dernier épisode tout seul. Normalement, je suis censé être en coop dorénavant. À 2 ou à 3, donc si vous décidez de me rejoindre, et surtout si vous avez le jeu. Wow, wow, wow! La petite popo! La survivante! Aïe! Oh le. Oh le. Le kick. Il m'a fait un méchant kick. Allez, allez, meurs! Meurs! Allez, on enchaîne les roulades. Allez! Wouh! Oh! Yeah! Ah merde. Ah il était pas mort. Seul un nain peut passer autant de temps. Et on gagne beaucoup plus d'XP au bout d'un moment avec les ennemis les plus chauds, regardez ça. 30 d'XP alors que. Avant, bon, on va rester un petit peu ici histoire de régène. Wow, histoire de régène facilement. Évidemment ma sphère de lumière vient de s'arrêter. Wow 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 wow. Allez, temps fini. Archer insignifiant. Allez, il veut pas lui. Allez, meurs. Oh yeah. Oh, ça c'est beau. Avec un bâton en bois, mes amis. Yeah, yeah, yeah. Oh, superbe. Et un bras en moins, c'est parti. Là, je fais juste... Oh. Ok, on va s'arrêter ici, les amis. Meurs. Oh, oh, oh. Oh. Meurs. Et il y a eu une espèce de... Oh putain, je sais pas ce qu'elle fait la caméra. Yeah. Yeah, yeah. Il y a du professionnalisme. Oh yeah. Alors là, je vous vends du rêve. Juste pour la fin. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, les amis, en tout cas. Donc voilà, le dernier en solo. Normalement. Dernier en solo. Bien sûr, attendez, on va voir. Voilà, donc dernier en solo. Je serai normalement en coop dans les prochains épisodes et j'espère avoir un peu plus de phases de scénaristique. J'espère sincèrement. En tout cas, laissez un petit j'aime, un petit commentaire. N'hésitez pas à aller sur Facebook et poser vos questions. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut à tous.